Étienne Symphorien Kalala Mbalandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botenabino Banso. Wanugwa Penzi, Wanainchiote, Nawasalimi Yaniniwote. Banabetu, Basubwe, Moyoweno, bonsoir. Bampangi à Mounou Yaluzolo, Bampangi à Vincent, Mbotenabeno, bonsoir. Anna Lengo, Moyanyo, tché. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Corona n'est pas bon. Corona n'est pas bon. C'est King Lash! Un selfie! Un selfie! Non, Zita! Zalane moi musika 1 mètre! Ah, bon. Comment vous lavez-vous les mains? J'attends vos vidéos. Bonjour, chers compatriotes, Joseph Wamba, comment tu vas? Oui, bonjour, mon frère Sephorie Kala, je vais bien, et toi? Ah, nous allons bien par la grâce de Dieu, toujours confinés. Et vous autres aussi là-bas confinés. Évidemment, on est tous dans le même état, mais on a toujours des petites occupations au quotidien, comme on n'est pas. Pour ne pas rester inactif, on s'occupe à la lecture, on s'occupe à toujours à nos projets comme d'habitude. Et puis bon, voilà, et puis pour la suite, on suit les informations du pays. C'est comme ça que, voilà, nous passons notre temps un petit peu pour s'occuper. Et puis bon, nous suivons aussi les informations quotidiennes de chez nous ici. Merci beaucoup. Voilà, chers compatriotes, ici TV du peuple RD Congo. Nous sommes en entretien avec notre correspondant en France, le compatriote Ndeko Joseph Wamba. Alors, la première question que je vais vous poser. Le président de la République a pris une décision sur le confinement par intermittence, c'est-à-dire 4 jours confinés ou enfermés. Mais enfermé, ça c'est plutôt une terminologie pour les cachots, les prisons et tout ça. Bon, confiné. Et puis 2 jours de sortie libre pour s'approvisionner en nourriture. Et puis interdiction de sortie de camions, de véhicules vers l'intérieur et de l'intérieur vers la capitale. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton analyse là-dessus, chers compatriotes? Bon, personne ne souhaite cette maladie puisse faire les vagues, des plages à Kinshasa. Et nous souhaitons vraiment que nous soyons épargnés à cette maladie pendant toute cette période qui est vraiment douloureuse à travers le monde. Nous souhaitons vraiment que ça puisse se passer dans de bonnes conditions, mais par rapport à la situation que tu viens de me décrire, à les mesures qui ont été prises, aucune mesure n'est. Il faut partir à la base. La base, ça dit quoi? La maladie n'est pas arrivée comme un TGV à la gare, ou bien comme un ballon qui vient de nulle part pour marquer le but. Ça a été préparé. On savait déjà qu'il y a un événement grave qui se présente. Même ici, le président, comment s'appelle, notre président Macron l'avait Macron. dit que. Oui, Macron, il avait dit que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre avec l'ennemi invisible. Maintenant, quand vous allez confiner ces gens-là avec l'ennemi invisible,
Donc ça signifie que il y a des jours où quand ils vont être confinés, l'ennemi invisible va disparaître, on ne le verra plus, il ne va plus être dans les rues, lui aussi va disparaître, et quand les gens vont sortir dehors, il va partir loin, il va revenir quand les gens sont confinés. Ça veut dire ça à peu près. Or que la maladie, même que les gens soient dehors, que ce soit dedans, c'est tous les jours que l'ennemi est là. C'est un ennemi invisible, cette maladie est invisible. Donc il faut qu'il reste confiné chez eux pendant longtemps. Mais malheureusement, ça ne peut pas s'appliquer pour nous au Congo. Pour la simple raison que la population n'a pas été préparée à des situations comme ça. Nous sommes habitués à beaucoup d'ennemis qui sont autour de nous, beaucoup de maladies qui n'ont jamais été enterrées complètement. Parlons d'Ebola, parlons du coronavirus qui vient nous sévir maintenant. Nous devons prendre une mesure adaptée à ça. Par rapport à la nourriture, la population et la faim, elle n'a pas. D'abord, quel est le. Je peux même. Ça vous poser la question, mais quel est le minimum, comme on dit chez nous, le SMIC d'un Congolais? Il n'y en a pas, mais il y a quand même 2 jours pour s'approvisionner. Oui, mais il y a 2 jours pour s'approvisionner, mais est-ce que vous savez qu'il y a certaines sociétés, il y a des gens qui n'ont jamais été payés 20 mois de retard, 25 mois de retard? Et il y a la population qui n'a pas de salaire approprié. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui gagnent 50 euros par mois. Combien et avec 50 dollars par mois, ils payent les loyers. Ils doivent tout payer. Or, ils vivent de ce qu'on appelle les qui-vivent. Ils vivent au quotidien. Ils doivent chercher, ils doivent fouiller jusqu'au point même, parfois même un peu, passer à haut. Comme on dit, dans les mailles du filet, en sautant les fenêtres dans la vie quotidienne, d'aller mentir parfois à certaines personnes pour avoir quoi manger, parce qu'ils ne peuvent pas. Et on ne se souvient pas à la nourriture. Parlant de véhicules qui viennent, la liaison entre la capitale et la province, mais est-ce que moi j'avais un véhicule à Kinshasa dans les années 90, 94, tu sais comment ça marche ces histoires-là, hein? Ça marche comment? Je vais t'expliquer, parce que ces ministres-là ne savent pas. Lorsque moi j'avais mon véhicule, il part, je vais donner les. Enfin, il partait au Bangui. Il part au Bangui. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des marchandises. Il rencontrait des clients. Il les dit louer fait par des gens qui disent mais papa, donne-nous ton véhicule. Il prenait mon véhicule. Ils allaient avec Obadoudou. Le premier client se trouve à un point A. Il charge 10 sacs. Le deuxième au point B, il y charge 3 sacs. Ainsi de suite, dans plusieurs points, on rassemblait les marchandises. Et tous ces gens-là, ils montaient avec moi dans le véhicule. C'est pas moi qui les calais, mais évidemment, c'est le chauffeur avec quelqu'un d'autre qui j'arrivais dans le véhicule. Et ils ramènent à Kinshasa. Il va vendre là-bas. Une fois qu'ils ont vendu, enfin, ils vont me payer. Ils payent les provisions. Bon, ah bon? Ces échanges, ces ponts. Oui, c'est comme ça que ça marche. Et ces ponts-là que vous allez couper. Et puis, ces gens-là, il faut qu'ils les ramènent encore après. Il faut les ramener. Hein? Ils vont passer des bruits comme ça, parce que c'est devenu comme un mouvement rotatif. Donc, tu ne peux pas couper le pont entre Kinshasa et la province, parce qu'on n'a pas de grenier où les gens vont s'alimenter. Est-ce qu'il y a assez de nourriture? Déjà aujourd'hui, j'ai entendu à Kinshasa, il n'y a même plus de pondou. J'ai vu une dame qui allait chercher des pondou à. Comment ça s'appelle à Kinsuka là-bas. Parce qu'au grand marché, il n'avait pas trouvé des pondous. Non seulement ça c'est le béaba. Les soins des gens qui sont en difficulté pour aller, qui viennent demander de fin fond là-bas de Kimbansé, de loin pour venir soigner à Kinshasa. Il se blesse, il doit venir en urgence à Kinshasa. Nous n'avons pas d'ambulance. Nous n'avons pas de pompiers. Nous n'avons pas de matériel adapté pour aller dans le terrain. Les bus, il n'y en a pas assez de moyens de déplacement pour tout Kinshasa déjà. Qu'est-ce que l'État peut faire? S'il avait déjà anticipé, il devait déjà mettre les moyens, les paquets pour avoir ces moyens de déplacement à Kinshasa. D'où les erreurs qui ont été commises en jetant l'argent dans les sautes-moutons. Il fallait commencer d'abord par aménager les routes. Le béaba, c'est les routes d'abord. Les moyens de communication, c'est connu de tous. Il n'y a pas seulement les sautes-moutons. Il y a l'argent qui a été aussi détourné, beaucoup de millions détournés par les conseillers, tout ça. Allons-y,
Ça, c'est la ramification. Détournement, c'est la ramification des sautes moutons, de tout ce qu'on a pu voir. Mais le B, avant, là où il fallait commencer, si on avait vraiment pris les problèmes des Congolais à bras et corps, c'est d'abord les routes, les petites routes. Rien que je vous donne un exemple. Mm-hmm. Allons-y, droit au but. À Limité, là où le président Papa a décrit d'habiter. T'as déjà vu l'état des routes qui est là? T'as déjà vu la route, la maison du Papa Tshisekedi? Ces dernières années, je ne suis pas allé à Kinshasa. Oui. Ah bon, mais désolé, mais la route, elle n'est pas beau à voir. Hein. Elle n'est pas belle à voir, pardon. Elle n'est pas belle à voir pour la simple raison que chaque jour, normalement, il y a des gens qui viennent faire des rassemblements là-bas. Et normalement, c'est un lieu mythique et qu'on devait prendre soin parce que c'est notre lieu de refuge, des pèlerinages, de tout le rassemblement. Et c'est un lieu qu'on devait protéger. Mais il n'y a rien qui a été fait. C'est sale comme si c'était le ballon d'une poubelle. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas soin de nos routes. Et c'est le béaba. Et le président, il est au pouvoir, il vient, il regarde comme ça. Je veux vous amener. Où est-ce que tu vas nous amener? C'est comme s'il n'a jamais connu Kinshasa. C'est un Kinois pourtant. Mais il rentre dans la turbine des gens qui ne veulent pas le développement de Kinshasa. Donc, il est mal entouré, ou c'est lui, ou s'il est mal entouré, il ne voit pas, ou il ne veut pas voir, ou bien il est encadré, ou bien il ne veut pas être encadré. Mais s'il veut vraiment que les choses s'effacent, mais il faut qu'il sorte ce qu'il a dans son pantalon, quoi. Il faut qu'il mouille sa chemise. Aujourd'hui, chez nous, ici en France, le président ne dort plus chez lui. Hein. Chez le président, ne dort plus chez lui. Il dort plus chez lui. Et que au chevet de malade. Il risque de se faire contaminer. Ouais. Tu sais, le président. Bon, quelle est votre proposition de solution pour ces confinements? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, mais les propositions, c'est ce que je vous dis, que aujourd'hui, il n'y a pas. Personne ne peut sortir une formule miracle dans un coffre-fort. Pour la simple raison que s'ils ne mettent pas les moyens, il n'y a pas. Cette maladie est déjà à Kinshasa. Normalement, ce qu'on devait faire, c'est préparer déjà tout de suite les lits, les hôpitaux. Il faut que les ingénieurs, les architectes soient appelés. Les médecins qui sont à l'étranger doivent descendre d'urgence. Les présidents devaient faire réquisitionner tous nos médecins parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de médecins qui sont à l'étranger ici. Nous sommes nombreux des ingénieurs, des architectes qui sont à l'étranger. Les succès qui sont sur place, on se serre les coudes, on commence à construire. Nous allons être les martyrs si jamais on attrape cette maladie. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est en train de faire ici. Nous sommes les martyrs déjà ici. Pourquoi pas être martyrs dans mon pays? Que nous allons, nous construisons des hôpitaux. On commence pendant que les gens sont à moitié dans la rue. Et les malades qui vont venir vite, il faut les mettre dans des vrais centres hôpitaux. Pourquoi toujours appeler les gens qui viennent d'ailleurs? Pourquoi toujours faire rentrer les gens qui viennent pendant que nous sommes là, qui pourrions apporter un plus? C'est à ce moment-là qu'on voit le président, quelle est sa responsabilité vis-à-vis de ses proches, de ses frères. Il doit rassembler, il doit ramener tout le monde au pays. C'est ce qui s'est passé ici en France. On a réquisitionné les retraités, tout le monde, allez, venez travailler. On devait être au service de la nation. Et nous, on a ici, c'est vrai qu'on est ici, mais notre nation, c'est notre pays, c'est là où nous. Mais là, on se retrouve devant un fait accompli. Il faut une solution immédiate. Faute de solution. Non, mais je reviens. Les solutions immédiates, ça fait partie aussi des solutions immédiates, parce que si aujourd'hui on construit, enlevez-moi ça, les dispensaires, là, les mamayés, moi, j'appelle ça un dispensaire. Ce n'est même pas un dispensaire, c'est bon pour les chiens, ça. C'est pas pour les malades, ça. On devait construire un autre hôpital pour vraiment soigner les malades. Parce qu'ici, c'est ce qui est en train de se faire. On est en train de monter des tentes militaires pour soigner les malades aussi. Et qu'est-ce qu'on devait faire maintenant? Soit trouver la nourriture, donner les moyens pour acheter la nourriture, ravitailler Kinshasa, ravitailler les grandes villes. C'est passé aussi. Les Congos, c'est passé à Kinshasa, heureusement. Il a fait appel à une sorte de téléthon. Non, ça c'est le mascarade, ça. Ça allait chercher du savon dans la poche d'un singe. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Un singe ne se lave pas. Il paraît que c'est Caritas qui va s'en charger. Oui, mais évidemment, c'est toujours... Quand... Il y a pas longtemps, il nous disait, il a ramené des fonds de l'extérieur, le président. Il chantait lui-même. Il le disait à haute voix. Cet argent est encore à l'extérieur, il va nous répondre. Mais alors, quand l'argent est encore à l'extérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer les dépenses.
Il faut diminuer tout ce qu'il y a. Nous sommes dans une période de guerre. Quand on dit période de guerre, ça signifie que les premiers militaires pour le moment, ce sont les médecins, les infirmiers. Il faut prendre le soin de tous les hôpitaux, nettoyer les hôpitaux, nettoyer les lieux qui seront adaptés pour accueillir les malades. Déjà, c'est le béaba. Prendre le soin des médicaments, protéger les médecins. Là, vous avez cité un mot tabou, là. Il faut réduire les dépenses. Mais par contre, le premier ministre Ilunga Ilunkamba, il propose la création, pendant cette période, la création d'un secrétariat pour Joseph Kabila, et la présidente du Parlement propose 400 000 dollars par ancien président du Parlement et puis un ancien vice-président pendant cette période. Vous parlez de réduction des fonds, mais eux, ils font l'inverse. Vous voulez qu'on joue à la musique ou bien vous voulez qu'on parle sincèrement, hein? Ces sénateurs-là, à vie, ils touchent combien déjà par mois? 680 000 dollars. Bon. Qui sortent d'où? Pendant qu'il était président, pendant 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut qu'on lui demande des comptes déjà? Il veut qu'on règle ses comptes maintenant? Il n'a rien fait du tout. C'est de la provocation. Ben voilà, c'est Siri, je t'ai dit, mais est-ce qu'il veut qu'on règle ses comptes maintenant? Tu veux qu'on s'occupe de lui maintenant? Il n'a pas honte? Le président Félix Tshisekedi, il a pitié de lui, je ne sais pas moi, si c'était mariage en blanc ou en noir, ou quelles sortes de mariages qu'ils ont, mais il faut qu'il sorte. Le président Félix, il doit sortir de ça, il doit sortir de son trou. S'il ne sort pas de son trou, la population de Kinshasa va s'en charger. Et quand la population de Kinshasa va sortir dans la rue, ce n'est pas lui qui... Moi, j'étais là, Kinshasa, en 98, quand les gens étaient brûlés, vivants, moi, j'étais là. J'ai vu. Quand est-ce que ça va arriver maintenant? C'est une année et puis nous sommes au mois de mars. Et maintenant, quand ça va arriver, qui essaye de fermer les gens dans sa maison? Qui essaye? Parce que s'ils ne vont pas voir, même Kingakati, là, sera brûlé. Ça sera à feu et à sang. Kingakati, ce n'est pas un lieu de refuge. Ce n'est pas chez lui. S'il n'a pas envie qu'il soit brûlé là-bas chez lui, qu'il rentre chez lui, c'est un Rwandais, cet homme-là. Hein? Qu'il veut qu'il dise quoi? Qu'il est rentré chez lui? Est-ce que le président ne sait pas que Kabila c'était un Rwandais? Tout le monde ici, le président nous le dit, les hommes politiques et étrangers le disent que Kabila c'était un Rwandais. S'il est venu vraiment pour aider la population, il devait quand même sortir de son trou, de dire ne fût-ce qu'un mot, que j'ai fait des bêtises, je n'ai pas su, mais maintenant voilà l'argent que j'avais volé, voilà ce que j'ai fait, mais il continue encore à piller ce pays. Qu'est-ce qu'il veut de ce pays? Est-ce que tu peux diriger dans un désert? Même les pays qui sont dans le... Les pays... L'Algérie, la Libye, ou bien la Tunisie où on connaît, mais les gens ne sont pas dans le désert où il fait chaud, on a été dans ce pays-là. Mais ils sont dans des coins où on peut les récupérer pour qu'ils soient quand même à l'ombre. Et toi, tu ne fais rien pour protéger ta population, tu ne viens que montrer en plus, ils montrent encore ses muscles dans les rues. Et puis, quand il veut encore qu'on lui donne un bureau pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas écrire, il sait ni lire, ni écrire. Où est-ce qu'il a étudié, qu'il a monté ses diplômes, qu'on puisse parler encore de lui? C'est quoi ce canard-là qui vient encore sortir sa tête là dehors? Le Premier ministre. Si réellement c'était un homme qui n'a pas sorti de où, qu'il vienne se mettre debout devant tout le monde, pourquoi il se cache qu'il envoie des gens pour tuer chaque fois le monde? Il n'a pas assez tué des gens, il veut retuer les autres. Qu'il n'a pas assez mettre dans sa grotte. Félix, si tu dois savoir, si tu vas lire mon message là, on en a, tira bouzobawan. La qui sait que vous avez la kin. La qui sait que vous avez la kin. Sauf la qui s'est voté. Oye ba makamuromona. Oyoka ou makamuroyoka. Bisso peut te salam ou salam ou pikotou. Ou quand ça tire, oye bisso. Tout ça va la potopé. Yomoko yebin derimi pas si zala kapona kozo un héros. Ozo senga batumbo, soni zati na kata mboka wana. Est-ce que Congo, mboka etinda ba uranium, mpona kosala banani ba guerre, ba bombe nucléaire. Et puis tout ça, on a belo à relier tout comme le quoi, pas de bambola. Maï, la batouaza, la posa maï. Ça, c'est vraiment asphyxier la population. Courant tout ça dans la barrage, courant boni et ça, la canadi chasawana. Bissoua totopiman, la 1980 wana. Tissiko, tu yoga à courant et zate. Oh. Monsieur président Félix, bimisam tout, la ksat aux amants akim. Sozo la ksaté. Yomoro yé bana kine, ou yibit sous gansa kara tam tuza obita machina vita imana. Tam tuza obita. Ndek ba bagar zako bimana ni, ndek tok ba bagar zako bimana.
Excuse-moi, mais tu comme un solo, la nanzele à Bamikolo, bisoto comme au Kende, bisoto Tozabana, Bana avant, Naza Vienayo, Tomanico Kende, Tika Buzobana, Souzo continue à Kandewana, Romana, Olia Pauna Bokawana, Olia Paroliaio, Gilbert Mounbosnan, Lili Gilbert, de Gilbert Mundel, au sol de la été. Ça te donne pas des idées avec Gilbert Mundel. Oh, je m'excuse beaucoup, mais bon, ça me fait monter la tête, moi. Parce que ça commence à bien faire ces histoires-là. Biro les sous-sous, Kilunga. Est-ce que c'est pourquoi je dis que Batubatanga Nambukawana, ils n'ont pas de vrai diplôme. Un homme qui a un vrai diplôme ne peut pas agir comme ça. Ça signifie que ce sont des tricheurs. Tous ces professeurs-là qui les écoutent, moi, vous êtes des tricheurs, vous êtes des menteurs, vous torturez votre propre population pour des bêtises. Kabila, il rage, c'est pas moi comment vous l'appelez. C'est honteux de voir des gens comme ça qui vont adorer un chien comme ça, un sanguinaire comme ça, plus que Hitler. Il adore, comme ça c'est de l'adoration. Oui, mais c'est l'adoration aveugle, mais ça signifie que vous êtes, ce sont des gens qui sont des monstres, ils vivent dans quel monde ils vivent. Ce sont des tueurs. Il est qui nous arrête, le Congo n'est pas, ne leur appartient pas, ça n'appartient pas à un clan. Hein? Bon. Le Congo n'appartient pas à un clan. Le Congo, ce n'est pas un village. C'est pas, le Congo n'est pas dans leur poche. Chers compatriotes. Kimbangu existe. Kimbangu est mort, mais il reviendra. Sache-le, Félix. Kimbangu reviendra. Tu étais allé t'incliner en Kamba. Je t'ai vu. Tu étais en Kamba. Et c'est ma terre. C'est chez moi que tu es allé. C'est chez moi. Mais je vais donner aussi, nous aussi, nous allons donner l'ordre de Félix. C'est ce que tu es allé faire là-bas. Du calme, Ndeko Wamba. Bon, total à du côté de la justice, au monité qui a sali moi par progrès, parce que tu as déjà un ministre na Boloko, et puis Bazongisa qui soit qui 35 millions, et puis Mondelo Azalaki, directeur général et à banque, Batikiye, mais a fondi Kamer na tribunal, mais Tomoni Kamer, à quel issus na Kinga 4, Kokutanana. Na Kabila, donc moi progrès Zali du côté à justice. Papa, tu veux que je te dise la vérité? Ouais. Les directeurs là de banque qui a été libéré, on pouvait pas l'arrêter. Les menaces viennent, il a été libéré par un ordre qui vient de très très loin. Ah bon? Très très loin. Oui, ça vient de très très loin. Je veux pas aller en détail, ça suffit. Cette banque-là, elle a beaucoup de ramifications. C'est là où on nettoie les minerais du Congo aussi. Ah bon. Les puissants qui sont dans cette banque-là, c'est les puissants qui pillent notre pays. Va voir Vercolosi là-bas. Va voir avec Chaba là-bas. Je ne vais pas donner des détails là-dessus. Je passe. Tout simplement que la justice, elle doit revenir à sa place, à sa vraie place. Je te donne un petit exemple. Que fait Mike Mukebai en prison, un jeune garçon, même si la famille n'a pas tué? Donnez-moi des noms. Mais sa bouche, il a beaucoup insulté. Il a insulté beaucoup de gens, y compris le président de la République. Non. Bon, maintenant, quand est-ce qu'il y a un garçon qui a critiqué le président de la République, comment ça s'appelle si ce qu'on appelle, c'est Magie, c'est pas Magie. Il disait, les abornes, comment il disait ça? FCC, les abornes. Henri Magie. Voilà, c'est ce garçon-là, qu'il a sorti, c'est abominable, il devait t'arrêter. Il devait t'arrêter, sincèrement. Moi, si c'est moi, même si j'avais un ministère qui ne m'appartenait pas, j'allais arrêter ces gamins-là. Parce que ce qu'il a sorti, ça c'est du chauvinisme, qu'il n'a même pas, il n'a même pas le cerveau adéquat pour pouvoir parler ici. Parce que s'il doit dire comme ça, c'est pas bien. Un minimum de respect, il ne doit pas dire comme ça devant lui. Même s'il y a des choses cachées qu'ils ont fait ensemble, il ne doit pas cracher comme ça sur le président, sur Félix. Parce qu'il représente notre pays. C'est lui qui va à l'extérieur, c'est lui qui les porte-étendards du pays. Et quand vous commencez à critiquer votre porte-étendard, mais vous n'êtes plus mort parce que le drapeau ne crache pas sur le drapeau.
Celui-là, il est sous la protection de Kabila. Ah, maintenant, tu vois maintenant que c'est là où on veut dire, c'est la question que je te pose. Qui sont, que veut dire FCC, que veut dire FFC, c'est vraiment quoi c'est qu'ils ont bidouillé là. Cette ramification des toiles d'araignée là, c'est quoi ça? FCC, PPRD, FFC, c'est pas moi, et IDPS. Est-ce que IDPS, alors maintenant, on ne comprend plus rien. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas si c'est quoi ça, c'est quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait, Mike, que même s'il a injurié, même que ce soit, son compte devait être, sa situation devait être régularisée. Parce que nous, ici, en Europe, j'ai vu des gens critiquer le président Mitterrand, qui allait cracher même après lui quand on faisait des manifestations, mais ils ont été arrêtés, ils ont été libérés. Quand on a marché, Chirac, contre, Sarkozy, ou contre, Hollande, ou maintenant même, le président même, Macron, à la foire au marché de, à Versailles, porte de Versailles, aux agriculteurs, il a eu lui-même un œuf sur la tête. On lui a balancé un œuf sur la tête. Et ces gens-là, ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont été arrêtés, ils ont été auditionnés, mais ils n'ont pas été mis au fouillis, comme on dit. Mais nous apprenons aussi que Mike Mukeba détient des preuves contre Vital Kamerhe. L'achat de plusieurs immeubles, par exemple. Le problème est qu'il faut qu'il soit libéré. Il faut qu'il soit libéré. Mike Mukeba doit être libéré. Si le président tient à son pouvoir comme il faut, s'il tient vraiment à son pouvoir, qu'il revienne dans les rangs de la population, qu'il évite d'aller dans la politique de la soupe. Alors, votre réponse, qu'il laisse tomber la logique. Progrès ou pas dans le domaine de la justice? Elle est moyenne, elle est en dessous de la moyenne, si tu veux. Moi, j'ai donné 4 sur 10. Moyen ou en dessous de la moyenne? 4 sur 10. 4 sur 10, voilà, c'est ce que je te dis, 4 sur 10. Heureusement que ce n'est pas zéro. Ok. Bien. Non, ce n'est pas zéro parce qu'il y a des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. On l'a vu en face de certains. Il parle parfois à un certain moment, mais il n'a pas les crayons premier juge d'État. Il n'en a pas. Il n'a pas ces stylos-là. Il n'a pas la plume. Ok, Monsieur Wamba, dis un dernier mot, s'il te plaît, à la population congolaise sur le coronavirus, sur les protections. Mais je vais parler par contre, puisque c'est là que je parle de la population. Un problème est zaté, l'obanaï. Bande konangai maladie zaya solo, maladie ya coronavirus. Pourquoi? Parce que ngai camarade nanga moko, place na vani za moko après midi, les camarades nanga moko a zwa ki yango, na mwasi na ye. Bande ngaki balekana, mwasi ni asuka ki ti na place yon na réanimation. Mais nzamba babi ki si bango bazongo. Maladie wani zaya solo. Protégez-vous, nan dengeni ni bo soko la maboko, c'est vrai, mais gardez votre distance. Et ça, maladie, c'est un peu difficile à expliquer. Parce que tout ça, on a été en train de se faire. Tout ça, on a été en train de se faire. Mais tout ça, on a été en train de se faire. Au côté, on a été en train de se faire. On a été en train de se faire. Au côté, on a été en train de se faire. Au côté, on a été en train de se Nilinga ikoti yo nasia munoko epi loko wane longwe. Soko monika wa jemwa fiefe kota nasia matiti, nige tosala kana bokoko na biso. Mebo keba na bebi loko ya ba chinois wana, paske ba chinois mungubu iba kangi na Londres, bazote ni pakula ba voiture, biloko mungubu iba, epi tuzo mungubu mbazako pakula. Kusi mbaka ba voiture, soki bazaki na ba poison, soki biloko ni bazaki na ngo, heureusement ke mbila zaki pembeni, donc, oma kamuna zo beza solo, asi a verifiye, donc, Bokeba na bato bazawa na bapaya bazana mboka na biso bakuchiko yapi na biloko wana ba corona wana obino bato sala ke papa chino bolungo una bozala na bango maili maladi ya corona iza maladi ya solo iza solo bozala maili botambola ekenge bovanda na ndaku so uzana makambo sala ti vanda na ndaku so ngozo maladi wana tambola na yende ngolingi biso tuza confiner tuzana ba misala na biso mikepia usala na ndaku ba ordinateur uzama ordinateur
moi détourne à Dibanda, salut 1 km. Moi, je suis autorisé de faire 1 km par jour, mais le reste, je ne sais pas moi, parce que les magasins sont plus près de chez moi. Donc, je ne sors pas beaucoup. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire. Je te remercie beaucoup. La télévision du peuple, vous s'abonnez, Ming, la télévision du peuple, Oyo. Et la télévision de Libéra Makamoupe, Yamboka, et Defendaka Makamou Yamboka. Et on a vu ce surtout, on a vu ce qui n'est pas na Mokili. Vous voyez, il est grave. Nous sommes en pleine guerre. Nous nous battons contre l'homme invisible. Boya et Bélé, tous sont en Boka, tous sont en Boka, tous sont en Boka, tous sont en Boka, président Téléma, Obenis, Abiso, tous sont en Boka. Dans le but de poser un mitou et un dégât, parce que tout ça, il nous a la preuve, on a su prouver, mais pas mon délai, que tout ça, on a mitou, tout ça, on a moi, mais le docteur Bazalia, le chercheur Bazalia, le médecin Bazalia, l'infirmier Bazalia, toutes les couches de la population, au Kozoango, na Kati Mabiso. Mais ils ne peuvent pas descendre les gens qui ont il y a ce qu'on appelle une préparation, et puis il y a ce qu'on appelle le sens d'accueil. Il y a les lieux de résidence, il faut que ton gars puisse bien pour nous vendre ça va pas y avoir, parce qu'on n'a plus le même, tous les gens n'ont le même confort. Donc, c'est le pour nous vendre ça va pas y avoir. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Wamba. Il nous reste très peu de minutes. Donc, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Vous êtes notre correspondant en France. Voilà, que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ok. Chers compatriotes, pendant notre discussion à bâton rompu avec Ndeko Joseph Wamba, nous avons reçu une information selon laquelle le confinement était reporté. En fait, c'est plutôt le gouverneur Gentili Ngobila, le gouverneur de Kinshasa, ville-province, qui avait décidé, pris la décision de confiner la ville de Kinshasa. Alors, l'on avait constaté la hausse des prix, une très grande hausse de prix, alors il a décidé de reporter. Il paraît que c'était controversé. Alors, nous allons lire ensemble cette information publiée par actualité.cd. Voilà, chers compatriotes, le confinement est reporté et c'est officiel. RDC Kinshasa. C'est une information du média actualité.cd du 27 mars. Voilà, chers compatriotes, on ne sera plus confiné à Kinshasa à partir du samedi 28 mars 2020, comme c'était prévu. Nous allons pouvoir le lire et en savoir plus avec actualité.cd. Actualité.cd, ça se tramait depuis déjà le début de l'après-midi. La mesure de confinement total de la ville de Kinshasa a été reportée. La nouvelle a été donnée à actualité.cd par le service de communication du gouverneur Gentili Ngobila. Officiellement, cette décision controversée a été annulée suite à la spéculation des prix. Une communication officielle est attendue. La veille, Gentili Ngobila avait justifié sa décision par l'état d'urgence proclamé par le président de la République. Selon lui, ce confinement total se serait fait de manière intermittente pendant 3 semaines. Il devrait prendre effet à dater du samedi 28 mars 2020 et se prolonger le dimanche
lundi et mardi 31 mars. Le mercredi 1er avril et jeudi 2 avril, les Quinois devraient être autorisés à circuler afin de s'approvisionner. Voilà pour information, chers compatriotes. Ça, c'est une illustration d'une avenue de Kinshasa. On ne voit pas grand monde sur la route. Voilà. Il n'y a plus de confinement, comme nous le pensions. Et voilà, et c'est, ça fait suite à l'information que nous avons diffusée sous forme de discussion à bâton rompu. Et entre-temps, nous avons eu cette information que nous ajoutons. Voilà, pour terminer, chers compatriotes, nous vous annonçons qu'un général important a été abattu. Il s'agit du général Justin Ngudjolo de la CODECO, coopérative pour le développement du Congo. Voilà une coopérative et à la tête de la coopérative, c'est un général rebelle. Justin Ngudjolo, de toutes les façons, nous allons lire l'information, nous en profitons pour, puisque nous allons terminer, donc pour vous informer que en dehors de Kinshasa, il y a maintenant un cas en province, dans les provinces de l'Ituri. Donc c'était une erreur quand on avait dit que le cas testé positif est confirmé au Nord Kivu, ce n'était pas le Nord Kivu, c'était bien l'Ituri. Donc en dehors de Kinshasa, nous avons un cas testé positif en Ituri. Et c'est le docteur Muyembe qui a divulgué l'information après avoir reçu les prélèvements et après les avoir testés positivement. Voilà, chers compatriotes, nous apprenons aussi qu'un conseiller important aussi, à part le magistrat Mukendi, le bâtonnier Mukendi, qui est décédé, il y a un autre, il s'appellerait comment, j'ai oublié son nom, Ilunga peut-être. Un conseiller vraiment spécial, paraît-il. Il est décédé. Et il y a aussi une ancienne directrice générale de l'Office national de l'emploi, une dame qui est décédée. Il y a les membres de du PPRD plutôt, les membres du PPRD qui la pleurent. Je ne sais pas si elle faisait partie du PPRD. Voilà les dernières informations que nous avons. Nous lisons l'information sur le général qui a été abattu avec ses troupes, y compris même sa femme. On ne sait pas, il se promenait avec sa femme dans ses attaques. C'est pas, voilà, c'est vraiment drôle, hein. Un général qui va au combat avec sa femme. Bon, peut-être ils ont été piégés, comme on dit, hein, et ils retournaient déjà de là où ils étaient partis attaquer. Et c'est comme ça, peut-être que sa femme a été abattue, il revenait avec les siens. Bien, nous allons lire et puis nous clôturons. Voilà, chers compatriotes, nous terminons par cette information de Congo Synthèse. En Ituri, l'armée annonce avoir tué le chef Ngudjolo de la milice CODECO à Djougou, général Yav.
Voilà, ça c'est une image d'illustration. À présent, nous pouvons lire l'information complète. Voilà. Devant la presse, ce vendredi 27 mars, courant, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé la mort du leader de la milice CODECO, coopérative pour le développement du Congo, dans la province d'Ituri, en territoire de Djougou, Ituri. Votre armée du secteur de l'Ituri, dans le groupement de Bouba, secteur Walentou Binti, a neutralisé un chef d'état-major du mouvement CODECO au nom de Justin Goudjolo Innocent Mapa, avec son commandant bataillon du nom de Trit. Sa femme et cinq gardes rapprochés ont été aussi abattus, a-t-il indiqué. Côté élément phare d'ici, un élément, sergent Bolingué, est mort sur la ligne de front, a ajouté le général Yav. Outre les pertes en vie humaine, cinq armes AK-47 et trois PKM ont été récupérées par les éléments des FARDC. Nous sommes déterminés à ramener la paix dans toute la région d'Ituri, a conclu le numéro des opérations de traque des groupes armés en Ituri. Toutefois, renseignent plusieurs sources non confirmées officiellement, des assaillants qui seraient de la milice CODECO du défunt Ngodjolo auraient fait incursion dans la même région et ont tué 13 personnes, dont des éléments de l'ordre et de sécurité. C'est triste. Une information donnée par Jean Mokongoliro à Beni. Voilà. C'est une grande victoire, comme quoi les FARDC sont de plus en plus en train de récupérer l'est du Congo. Voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. Boutikala Malamu, Benobikalambote, Wandugwapenzi, Tunamaliza, Tutaonana, Kesho, Pampangiamono Yaluzoro, Benobikalambote, Betutamalana, Mbas. Balabetu Basuibe, Shalaibib, Nitumulana, Chikondo Chikwabuku Video, Mukwabu. Ana Lingo Amboshila.